passé un bon week-end? C'était trop court, hein? Oh, c'est pas vrai! Oh, alors ça, c'est vraiment gênant, on a mis le même veston! Hé! Hey, ouais? Ton lacet est défait! Ouais, je suis au courant, c'est voulu. Quelle est la valeur de XY? C'est ce qu'on appelle un syllogisme. Les deux chapitres des grandes espérances. Vous aurez un examen sur la mesure de la pression, les principales sources de stress. Monsieur Morales, n'essayez pas de vous cacher, vous êtes encore en retard. Selon Einstein, le temps est relatif, pas vrai? Je suis peut-être pas en retard, peut-être que c'est vous qui êtes d'avance. Désolée, c'était beaucoup trop silencieux. Vous allez rester planté là ou vous comptez vous asseoir? Je soutiens que notre univers enfin parmi une multitude d'univers parallèles où les événements se déroulent simultanément. Grâce au soutien de la fondation de la famille... J'ai aimé ta blague. C'est vrai? En fait, elle était pas vraiment drôle. C'est ce qui m'a fait rire. Mais c'était bien dit, alors ça m'a plu. Je crois pas t'avoir déjà vu... Zéro? Si je continue comme ça, vous aurez pas le choix de me mettre à la porte, hein? Je suis peut-être pas à ma place dans cette école. Si on bande les yeux à une personne et qu'on lui demande de répondre au hasard à des questions vraies ou faux, sais-tu quelle note elle obtiendra? 50%. Exact. Attendez! Le seul moyen de répondre incorrectement à toutes les questions, c'est de connaître toutes les bonnes réponses. Tu cherches à te faire envoyer. Et je ne te laisserai pas faire. Je te donne une rédaction à faire. Pas sur la physique, mais sur le genre de personne que tu veux devenir. Les grandes espérances.